Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Megan. Yay! Salut! Salut! Fait qu'aujourd'hui, c'est un DIY. Un DIY qui consiste à faire du jello parce que c'est mon premier DIY. Donc on va commencer simple. Et je pense qu'il y a quelque chose d'autre à dire. Oui, aujourd'hui, c'est ma fête, en fait. Ouais, donc bonne fête. Vous verrez pas le vlog de la journée de ma fête parce que c'est un truc pour ma fête. Donc si je le mets avant, ben toutes mes amis vont le savoir avant. Moi, je sais juste ça. Juste ça. Parce que c'est exceptionnel. Donc, aujourd'hui, challenge Jello plus DIY. Donc, Jello. Le challenge Jello. Ça va être pour déterminer... Par quel Jello on va commencer? On a le fraise et l'orange. Voilà. Donc, pour faire ça, on va faire un challenge que je viens juste de trouver avec Megan, ce qui s'appelle le Box Jello Challenge. Box Jello Challenge. Puis c'est comme Water Bottle Flip Challenge, mais c'est avec des boîtes de Jello. Fait que exemple, que je fais un exemple, là, ça compte pas là. Puis on essaie qu'elle retombe comme ça. Comme ça, pas comme ça. Comme pas ça. Comme ça. Pas à l'endroit comme ça. Ouais. À la verticale, là, à la verticale. Fait qu'on a 5 essais chacun. Si ça marche pas, ben on va décider quelqu'un commence. Donc, tu commences, Megan? 5 okay. Chances. Oh, j'ai raté. À toi? Ah, raté. Raté. Je vais pas le lancer sur la caméra. Ah, oh, je l'ai eu. Presque. Je suis pas très bonne. 3. Ah. Oh. 3. 4. Je l'ai eu. Elle l'a eu. Si je l'ai, ça se compte pas. Ouais. Là, toi, tu fais ton quatrième. Oh! Oh! Ben, aussi, on est sur une serviette. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le fait une dernière fois pour ensemble. Ok. Ok, ça me va mal. Bon, fait que c'est toi qui l'as eu en premier. Fait que ça va faire le jello à l'orange. En premier. Donc, go! Ingrédients! On a besoin d'un... Bol! On a besoin d'une tasse d'eau bouillante! On a besoin d'une tasse d'eau froide! On a besoin d'un fouet! On a besoin d'une seringue et plusieurs! Et on a besoin de l'ingrédient principal! La boîte de Jello! Une boîte de Jello! Donc, c'est tout pour ces ingrédients. Je vais les afficher à l'écran pour si vous voulez les lire. Ok, passons. Maintenant, première étape. Donc, première étape. Eau bouillante dans grand bol. Oh boy. Ok, voilà. Fait qu'on va mettre ça. Peux-tu lire pour s'assurer que c'est bien ça dans ta tête? Là, je veux juste assurer. C'est très chaud. On a pris de l'eau de la cafette. À la poudre pour geler. Ça veut dire qu'il faut mettre la poudre. Oui, je sais. Dans la cafetière. On a pris l'eau de la cafetière. Je vais l'ouvrir tout de suite. Fait que les enfants, soyez prudents et demandez à un parent à la place. Toi, t'as 12 ans. J'ai 12 ans, effectivement. Et elle a 11 ans parce qu'elle est née au mois de septembre. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça? Donc, on fait la première étape qui consiste à mettre l'eau bouillante. Ouais. Donc, attention. Bien sûr, on va mettre une tasse d'eau bouillante et la poudre. Je vais la mettre. Ok. Comme tu veux, c'est ta fête. Je vais te laisser faire. Voilà. Wow. Elle a une belle couleur quand même. C'est quand même une belle couleur. Moi, j'ai plus beau, mais ça a quand même une belle couleur, je trouve. Et peux-tu lire le suivant après? Oui, bien sûr. Donc. Qu'est-ce que la poudre soit complètement dissoudre? Il faut vous fouetter? Ajouter une tasse d'eau froide. Mais il faut fouetter. Ou de jus de fruits. Oui. Oui. On fouette. Comme ça va mélanger la poudre avec l'eau. Fait que tu peux fouetter? Oui, bien sûr. Tu peux lire les... Pendant qu'on fouette, on va se laisser. Ça sent trop bon. Donc, vraiment... la poudre est dissous. Oui. Dans l'eau chaude. Maintenant, il faudra ajouter la tasse d'eau froide. Mais avant, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Voilà de quoi ça a l'air. C'est vraiment orange. Bon, là, on triche parce que sinon, vous ne voyez pas.
Donc voilà notre belle couleur. Et en plus, vous sentez pas l'odeur, mais... Ça sent tellement bon l'orange. Là, ça sent l'orange crush. La liqueur à l'orange. Ouais. Oh my god. Donc... Ouais, il y a une serviette sur mon bureau. Comme ça, Les dégâts. Donc, c'est ça. On va rajouter l'eau froide. L'eau froide, c'est parti. Bon. Fouet. Fouet. Juste pour mélanger l'eau chaude et l'eau froide. L'eau froide, exact. Le moment... silence. Vous pouvez aussi mettre du jus de fruits. Ouais, mais nous autres, on s'est dit juste de l'eau. C'est... Sinon, moi, je mettrais peut-être du jus d'orange, mais je pense que ça va trop goûter. Oui. Fait qu'on a juste mis de l'eau. Puis, il faut pas ajouter rien de fruits. De morceaux de fruits, parce que ça va pas prendre en gelé. Donc, c'est ce qui... termine la préparation. Côté préparation, fait que c'est vraiment liquide là. Il n'y a pas de jello qui se forme là. Non, c'est liquide là. C'est de la gélatine en fait, puis de la saveur d'orange. Donc, maintenant, le vrai côté commence. Parce que ça, on s'entend que si vous vivez au Québec, on en a toutes pas mal déjà faites. Ouais. Moi, je vais taguer mon père, Justin Lemaire, parce que c'était toujours avec lui qu'on faisait. Toujours. Moi, c'était avec ma mamie, Francine Dubé. Tout le temps. Elle l'avait tout le temps dans son frigo. Tout le temps. Fait qu'à cette heure, le rapport de tout ça avec ma fête. Fait que là, on a fait les seringues parce que ça allait être trop long. Donc sur ce, on se laisse. C'est terminé. Mais il va y avoir une partie 2. Avec le jello à la fraise. Parce qu'il nous reste beaucoup de seringues à remplir. Et il nous reste ceci aussi. Pour faire des ADN. On va vous montrer avec le jello à la fraise. Donc, on se retrouve pour la partie 2. J'espère que ça sera dans bientôt. Bye! Ciao!